Yo, aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo. Je veux juste revenir sur le fait, et je tiens le micro comme si j'étais un chanteur, je suis un peu matricé. La liste de Deschamps, franchement, sa liste elle est bien, mais il manque toujours et encore des joueurs. Franchement, je comprends pas Deschamps, je me demande s'il a une dent contre certains joueurs. Mais vraiment, on va commencer par le joueur qui mérite le plus d'être sélectionné en équipe de France actuellement. Lacazette, sérieusement, je crois que c'est l'un ou vraiment le meilleur joueur de Arsenal cette saison. Vraiment, auteur d'une saison incroyable, là il est en finale d'Europa League. Comment? Mais comment t'arrives pas à le sélectionner? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Franchement, c'est très très compliqué, je comprends pas. Autant en attaque, je reprends la liste maintenant sous mes yeux. Il y a Olivier Giroud, il fait une très bonne saison. Kylian Mbappé, oui. Coman, oui. Lemar, je suis désolé. Et même quand j'ai Giroud, ouais, Mbappé fait une saison que oui, je ne vais pas parler. Giroud, il fait une très bonne saison, mais on ne va pas retirer parce que déjà Giroud, c'est un ancien équipe de France, j'ai une équipe, blablabla. Non, il mérite d'être appelé, clairement. Coman, il a remporté son titre, clairement. Lemar, franchement, bof. Depuis qu'il a l'Atlético Madrid, je ne vais pas faire les mecs qui critiquent gratuitement, etc. Mais il a du mal, il a du mal. Et tu le vois clairement en Ligue des Champions, lors de ses apparitions, il a trop de pression, j'ai l'impression. Trop de pression, j'ai l'impression. Mais je suis désolé, Lacazette, par exemple, là, il peut être largement appelé à la place de Thomas Lemar. Sinon, non, Kingsley Coman, non. Après, je fais pas poche par poste, hein. Je fais pas poste par poche. J'ai juste dans le groupe d'attaquants. Ben Yedder, ouais, il fait une bonne saison. Griezmann, la base. Florian Thauvin, ouais, il peut être appelé, mais Lacazette peut être largement à sa place. Et si on veut un peu épicer tout ça, bon, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais Scott, qu'est-ce que tu racontes? Mais putain, il est débile ou quoi? Ou comme il y en a, il m'a dit précédemment, là, ouais, tu réfléchis comme un pigeon. T'es un pigeon, toi. Benzema, avec la fin de saison qu'il fait, il pourrait largement être appelé, mais bon, pas envie d'éveiller des débats. Au milieu, la base, hein. Dombele, Matuidi, Sissoko, Kanté, Pogba, tous clairement mérités. Dombele, très bon. Matuidi, très bon. Sissoko, final, Kanté, très bon. Derrière, il y a un joueur, personnellement, je suis à sa place. J'ai mal, j'ai très, 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 très mal. Moi, j'emporte la première ligne deux saisons d'affilée. Ayant 2 ans, je suis appelé 0 fois. Il doit avoir un mort. Comment il s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Laporte, il doit avoir un seum incroyable. Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il a pris 4 gardiens. Donc Deschamps, vraiment, il le fait exprès. Autant Maignan, il fait une très grosse saison. Lecomte, je vais être honnête avec vous, je le regarde jamais. Areola, normal, mais Maignan mériterait plus d'être appelé que Areola. Si je devais faire un top 3, Lloris, premier. Maignan, deuxième. Areola, troisième. Sur ce dernier appel, je parle pas en général, sur cette dernière liste. Maintenant, défense, franchement, Pavard, je sais pas, il fait quoi. Vraiment, je sais pas, il fait quoi, Pavard. Cœur du Mât, ouais, il fait une bonne saison à Everton. Pareil, Lucas Digne, il fait une très bonne saison. Mendy, pareil. L'anglais, c'est mérité. Enfin, j'ai envie de dire, enfin. Toutes ces fois où il a pas été appelé, enfin, il fait une bonne saison. Il vient de loin. Nancy, Séville, et là, Barcelone. Franchement, c'est mérité. Samuel Umtiti, oui et non. Mais c'est pas lui qu'on... On va retirer premièrement. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait retirer. Regardez, Kimpembe n'est pas là. On voit qu'il paye de ses matchs affreux avec le PSG. Mais au moins, il fait des changements. Mais là, je suis désolé, Laporte doit être présent. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Abonne-toi, laisse un like. Dernière petite question. Dans les commentaires, donne-moi ta liste. Dis-moi, pour toi, qui devrait être là et qui ne devrait pas être là. Et par rapport à la liste de Deschamps, dis-moi quelle erreur il a faite.